Merci d'abord pour l'invitation au président Bartolone. D'abord, un rapport commis avec un certain nombre de mes collègues parlementaires et énormément de contributions de très grande qualité. Et donc, je pense qu'il est toujours utile, quand on est législateur, quand on est parlementaire, d'avoir une réflexion à la fois sur la fonction que l'on exerce et le contexte dans lequel on l'exerce et la manière dont ce contexte se façonne et ce qu'il signifie ou ce qu'il veut dire en fait de l'état de notre démocratie. Je voulais aussi remercier Eric Thiers de m'avoir un peu guidé dans l'intervention que je vais faire, parce que j'étais un peu étonné d'avoir été invité pour parler justement des évolutions des parcours de parlementaires, puisque je ne suis qu'à mon premier mandat, et comme vous le savez, quand on est à son premier mandat, on ne rêve que de finir parlementaire pendant très très longtemps, et par ailleurs, je suis parlementaire des Français de l'étranger, ce qui est une spécificité très particulière dans cette maison. Je disais que c'était mon premier mandat de parlementaire, mais ce n'était pas mon premier mandat électif, puisque j'avais occupé dans le passé un mandat de maire adjoint dans le 14e arrondissement de Paris, et que j'avais, dans mes années de jeunesse, occupé à peu près tous les postes de représentation qui peuvent exister, à la fois au lycée, à l'université, dans les CROUS, enfin bref. Et donc, en écoutant l'intervention d'Étienne, je viens de comprendre que j'avais été invité, tout simplement parce que je correspond parfaitement aux évolutions qui sont indiquées et que je coche à peu près toutes les cases. Et que je suis un spécimen qui illustre en fait l'évolution sociologique des parcours de parlementaires. Et donc, peut-être en évoquant de façon un peu anecdotique mon arrivée ici, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Quand je suis entré pour la première fois dans cet hémicycle, il y avait évidemment une forme d'émotion, ce qui est assez normal, et puis ça ressemble à une rentrée des classes. Je me souviens qu'à l'époque, ce jour-là, j'avais été placé entre Jean-François Copé et notre ami Collard. Celui-ci voulant absolument adresser la parole à Jean-François Copé, qui voulait absolument éviter la photo qui pouvait le crucifier dans la presse, et donc moi au milieu, en essayant de comprendre ce qui se passait. Et puis il a suffi en fait simplement d'un coup d'œil jeté dans l'hémicycle et peut-être d'un croisement de regard pour m'apercevoir en fait que je retrouvais de nombreux petits camarades. Je ne parle pas ici en fait des parlementaires écologistes, nous étions pour la première fois 18, ce qui était une nouveauté, nous étions en effet pour la première fois en capacité de créer un groupe parlementaire, ce qui n'est plus le cas, nous l'avions déjà fait au Sénat. Je ne parle pas non plus des responsables politiques croisés, connus dans le cadre de mes responsabilités au sein du Parti écologiste. Non, je veux parler de petits camarades connus, fréquentés et pour certains amis dans ce que sont en fait les viviers d'accès au mandat parlementaire, c'est-à-dire à la fois le syndicalisme, qu'il soit lycéen ou étudiant, la bureaucratie de parti, les organisations de jeunesse. Et ils étaient assez nombreux, ce qui était assez surprenant. J'ai noté quelques noms, Pascal Cherki pour Yamir Chahi, Delphine Bateau, Malek Bouti, Daniel Goldberg, Benoît Hamon, Razi Amadi, Jean-Christophe Cambadélis, Christophe Borgel, Yann Gallu, et quelques autres. Et en effet, je n'étais pas en terrain inconnu, et lorsque j'ai croisé ces regards, il y avait un sentiment très étrange, comme si ma présence n'était pas une surprise, et que d'une certaine façon, on était un peu attendu. Un ministre a dénoncé ce parcours suranné, ce parcours des honneurs. Et en effet, on avait l'impression que nous avions tous, de part et d'autre, parcouru ce parcours des honneurs et qu'il était finalement assez normal qu'on soit consacré par l'élection et qu'on puisse arriver à un certain âge dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et donc, évidemment, je me suis interrogé sur cette situation, sur ce sentiment, et on arrive à une conclusion assez similaire à celle d'Étienne, évidemment sans avoir fait des recherches statistiques ou mené des entretiens ou consulté l'ensemble des fiches des parlementaires. D'abord, les trois thèses du recrutement des responsables politiques, en tout cas au niveau du Parlement, ça semble une évidence. Le poids grandissant des entourages politiques. Moi, j'avais effectivement travaillé dans cette maison, d'abord auprès d'un parlementaire et ensuite rattaché à la commission des lois pour un groupe de cette assemblée. Mais
je le savais, ce poids des entourages, ce n'est pas une nouveauté, c'est le poids grandissant qui est une nouveauté, mais Claude Bartolone, je crois, vous avez occupé également un poste de collaborateur parlementaire, je crois que François Fillon l'a occupé aussi, enfin, les exemples sont extrêmement, extrêmement nombreux, et puis le poids également de la bureaucratie de parti, et puis l'importance en tout cas pour la gauche, c'est ce que je connais le mieux, de ce vivier syndical étudiant et des organisations de jeunesse, en fait. La plupart de ceux que je connaissais bien dans cet hémicycle, dans cette maison, en fait, sont des militants que j'avais croisés, avec qui j'avais exercé des responsabilités. Donc, ce qui demeure un vivier avec les grands corps ou d'autres espaces de recrutement politique, des voies d'accès privilégiées au mandat parlementaire. Donc, effectivement, j'ai l'impression ici à cette tribune que je coche à peu près toutes les cases des voies d'accès au mandat parlementaire. Évidemment, il y a l'élection, mais on a l'impression que c'est presque anecdotique que l'élection vienne consacrer en fait des parcours qui sont de manière presque déterminée des voies d'accès au mandat parlementaire. Ce qui m'a étonné aussi, c'est à la fois donc ce poids très important des entourages, et j'en suis un parfait exemple, la prégnance en fait des voies d'accès par le vivier de la bureaucratie de parti et du monde syndical, mais par contraste en fait le peu de femmes qui sont élues, et c'est une maladie très française, vous le savez. Je le vivais d'autant plus durement que j'appartiens à un mouvement politique qui a énormément de défauts, mais qui a une qualité, c'est d'avoir, depuis très longtemps, instauré la parité à toutes les échéances de responsabilité internes et externes, et avec pour conséquence, et ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un effet du hasard, d'avoir réussi à avoir une représentation strictement paritaire à une élection au scrutin uninominal, majoritaire. Sur 18 élus, nous avons 9 hommes. Enfin, on avait qui appartenaient donc au parti écologiste. Et puis, l'autre constat, qui est aussi un constat un peu amer, c'est le peu de place faite aux minorités visibles. Alors, non pas que je considère que le Parlement doit être un Parlement miroir, mais je considère néanmoins qu'il ne doit pas être une négation de ce qu'est la société. Et j'ai l'impression, en fait, depuis fort longtemps, depuis que je milite, et ça fait très longtemps que je milite, que le discours universaliste totalement abstrait, à droite et à gauche d'ailleurs, est en effet une politique de ségrégation, de discrimination et d'invisibilisation des minorités. Ce discours fut utilisé très souvent et avec beaucoup de violence pour s'opposer à l'instauration de la parité. Il sert aujourd'hui avec la même force pour justifier un Parlement monocolore. Le peu de jeunes aussi. Moi, je représente des Français établis en Amérique latine, où la population, plus de 50% de la population a moins de 20 ans. Et je peux vous dire que c'est un réconfort, c'est un plaisir renouvelé que de revenir en France, où à 46 ans, je suis toujours un très jeune député, âge auquel la plupart des responsables latino-américains ont déjà été députés, sénateurs, ministres, et pour certains, chefs d'État. Non pas que je vise à le devenir, mais en tout cas, ça situe à peu près la jeunesse, la vitalité, parfois, de la représentation dans des pays du continent dont je suis issu, et au fond, la longévité des carrières en France. Je disais tout à l'heure en aparté à Étienne que je me retrouvais à CG avec des collègues que je regardais alors que je rentrais dans l'adolescence, quand ils passaient dans cette fameuse émission L'heure de vérité. C'est un voyage dans le temps tout à fait impressionnant, je peux vous le garantir, quand vous vous retrouvez avec des gens que vous regardez à 13-14 ans et qu'ils étaient déjà des responsables politiques de premier niveau. Et puis, un sentiment très fort, en fait, d'avoir ou de faire partie d'une masse socialement homogène. Alors, évidemment, il y a une variété des parcours, et Étienne l'a rappelé, mais variété, cette hétérogénéité des parcours n'est pas contradictoire avec ce sentiment, cette réalité d'une représentation socialement très homogène, et l'absence très frappante des classes populaires, des ouvriers qui ne sont pas représentés. Et c'est vrai que la sociologie des partis, et notamment des partis de gauche, a profondément changé.
l'ancrage dans les milieux populaires qui passait par des liens très forts à la fois avec le monde syndical ou des réseaux associatifs dans les quartiers s'est estompé. Les espaces de métissage social, de rencontre en fait entre les classes populaires, le monde ouvrier, le corps enseignant, les catégories de la classe moyenne ont décliné, voire disparu. Et au fond, nous assistons à une segmentation sociale accrue et nous en sommes de fait l'illustration. Mais cette évolution n'a pas simplement été une évolution sociologique au long cours, elle a aussi été accélérée, précipitée par des décisions politiques, j'en ai le sentiment, si ce n'est la certitude. J'ai encore le souvenir d'un dirigeant communiste dans les années 90 voulant absolument changer l'image de son parti, je fais référence ici à Robert Rue, et les déclarations de celui-ci à l'époque, en tout cas pour le jeune homme que j'étais, le jeune militant que j'étais, signifiaient très clairement un changement de sociologie à la tête de ce parti, avec cette importance donnée à la compétence, à l'expertise et à une forme de professionnalisation de la politique qui était une manière de tourner le dos à la tradition communiste qu'il était censé incarner. Et puis je crois que la précarité du monde du travail, les évolutions du marché du travail, avec conjuguées à l'augmentation, ou en tout cas à la prise, à l'importance prise par les entourages politiques et par l'expertise, expliquent en fait la disparition des classes populaires dans la représentation. Mais j'irai même plus loin, parce que c'est ça qui m'a frappé aussi comme jeune parlementaire, c'est la violence dont fait preuve l'institution à leur égard. Et pour ça, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'ouvrages qui en ont parlé aussi bien, mais j'ai en mémoire Retour à Reims de Didier Ribon qui raconte cet effacement en fait des classes populaires de l'imaginaire politique et social. Et franchement, je l'avais dit à un certain nombre de collègues, mais la répétition, la récurrence, la condamnation violente de faits qui traditionnellement étaient dans le passé admis, l'arrachage d'une chemise par des syndicalistes d'un patron mal intentionné, la violence des condamnations par des responsables de gauche à la tribune de cette assemblée, 4 ou 5 fois, le Premier ministre a pris la parole pour réitérer cette condamnation de ce qui était dans le passé quelque chose de finalement communément admis, ce qu'on appelle la violence ouvrière, les dérapages des grèves, m'a énormément frappé. Je crois qu'il n'y a pas simplement effacement des représentants issus des classes populaires, mais il y a également une sorte de condamnation, de stigmatisation de ce que reste de culture ouvrière ou des milieux populaires, et je crois que cette condamnation-là, cette stigmatisation-là s'applique également aux jeunes issus des quartiers. Alors, peut-être pour conclure, parce que c'est sur ce point-là qu'Étienne a conclu également, c'est sur la longévité des carrières. C'est vrai que les critiques qui sont souvent portées contre les élus qui, comme moi, incarnent en fait l'évolution de la sociologie et des parcours et le poids croissant en fait de la professionnalisation sont de manière un peu schématique portés par des collègues qui ont dans les pattes entre 20 et 30 ans de mandat. Donc c'est parfois, j'ai l'impression, l'hôpital qui se paye la tête de la charité, parce que moi je n'ai pas rencontré dans cette maison d'élus comme ça, qui n'est pas une expérience très ancienne du monde politique, qui n'est pas occupé pendant très longtemps des mandats, c'est-à-dire qu'au fond, l'étroitesse du recrutement s'applique absolument à tous les profils dans cette maison, et c'est une des difficultés. Difficulté qui serait facile d'enrayer, en fait, mais dont on voit les obstacles, et notamment l'intervention hier du président de la République. Elles sont connues, les pistes pour renouveler, pour diversifier, féminiser la représentation politique. C'est d'abord le scrutin proportionnel. Alors on invoque, et toujours avec la même force, j'écoutais Marc Le Fur, l'opposition à l'instauration même d'une dose de proportionnel. Que nous dit-on ? Nous ne souhaitons pas que les représentants, que les députés, que les sénateurs, que les parlementaires deviennent l'otage des partis, qu'ils ne représentent que les partis.
franchement, avec l'inversion du calendrier et les investitures par les directions des partis, par les états-majors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a déjà ça. On a déjà ça sans avoir les avantages du scrutin proportionnel. Et puis, cette autre invocation qui me paraît totalement dénuée de fondement, c'est l'instabilité des régimes politiques, alors que nous savons, et toutes les études de sciences politiques le démontrent, il n'y a aucune corrélation mathématique entre l'instabilité d'un régime et la mise en place ou l'existence d'un scrutin proportionnel. J'avais noté également deux autres pistes qui ont été d'ailleurs listées dans le rapport de Claude Barthelone, le non-cumul des mandats dans le temps. Moi, j'ai le souvenir d'avoir mené ce débat ici dans cette maison, deux mandats consécutifs tout au plus. Et c'est vrai que la violence de la réaction de certains de mes collègues était effarante. Et notamment même dans ma propre famille politique, où on avait du mal à comprendre le pourquoi, l'intention, pourquoi cette volonté si ferme de ma part de limiter à deux mandats exécutifs. Alors j'ai lu les oppositions exprimées par Claude Barthelone dans l'élaboration de ce rapport, la faiblesse face à l'administration, d'ailleurs rejoint par Cécile Duflot. Moi, je ne crois pas, au fond, que ce soit la vraie question. Je crois qu'on est attaché à des parcours très longs, je crois qu'on n'envisage pas de faire autre chose, et même quand on souhaite des allées et venues entre la société civile, le monde de l'entreprise privée et le mandat parlementaire, je pense que c'est des postures plus qu'une réelle volonté. Moi, je n'ai pas envie d'avoir à choisir de rester 20 ans ou 25 ans. Je préfère que la loi choisisse pour moi. Je préfère que la loi choisisse entre moi et une femme pour l'application de la parité, parce que sinon, on choisit toujours pour soi. Ça, c'est toujours le cas. Enfin, je veux dire, si on a le choix entre est-ce que c'est toi qui occupe le mandat ou est-ce que c'est ta collègue femme qui va l'occuper, on a toujours plutôt tendance à préférer que ce soit soit qui est la désignation et qui soit élu. Et si on me pose la question, est-ce que tu souhaites rester parlementaire? Au fond, j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup l'activité de législateur, j'aime beaucoup ma circonscription, c'est une des plus belles circonscriptions entre La Havane, Rio et Buenos Aires, on n'a pas à se plaindre. Et donc je préfère que ce soit la loi qui choisisse, en effet, pour moi, que ça ne dure que deux mandats consécutifs et pas davantage. Et puis, une réflexion peut-être plus personnelle, parce que nous l'avons expérimenté parfois dans le parti auquel j'appartiens toujours, le tirage au sort. Moi, je suis de ceux qui pensent que le tirage au sort est aussi une des pistes qu'il faut expérimenter pour renouveler la représentation politique. Il n'y a pas de raison que dans une démocratie adulte, moderne, qui se respecte, tout citoyen n'ait pas accès à la représentation politique, que finalement, n'importe qui puisse exercer à la fois un mandat local, un mandat régional ou un mandat national. Nous ne sommes pas destinés à être toujours les mêmes à occuper ce type de poste, et je pense que dans une démocratie, il est nécessaire que ça tourne, que le hasard vienne aussi participer à la mise en place de la représentation politique. En tout cas, je suis relativement pessimiste au regard des propositions qui sont avancées depuis une vingtaine d'années pour finalement oxygéner la démocratie, pour la renforcer, pour la rendre plus vivante, et puis notre incapacité à nous tous, aux représentants politiques, à nous réformer. Voilà. Merci.